Lancé en mars 2019, le cinquième pont d'Abidjan sera officiellement ouvert le jeudi 3 août 2023. Ce gigantesque ouvrage de plus d'un demi-kilomètre reliera la commune du Plateau à celle de Cocody. Quelle image globale les Ivoiriens ont de ce nouveau pont? Cette info leur a tendu le micro. C'est une bonne initiative. Voilà, de toujours créer les ponts, c'est très bon, ça réduit vraiment les embouteillages. Voilà. Donc moi je pense que ce pont vraiment va aider ceux qui sont à Cocody de vraiment vaquer rapidement à leurs préoccupations. Alors au lieu de se centrer sur une seule voie pour aller au plateau, là, ça sera un raccourci pour eux. Mais il faut dire que c'est bien beau de créer les ponts, de faire les ponts, mais cela ne peut pas résoudre le problème du plateau, du moins d'Abidjan. Alors, parce que tout est concentré à Abidjan, tout. Alors, donc, si le gouvernement peut décentraliser les choses, voilà, ça permettra un peu de désengorger Abidjan. Sinon, tout est concentré à Abidjan. Le cinquième pont, moi, à mon avis, c'est bienvenu. Ça va réduire un temps soit peu les embouteillages. Vous voyez, au niveau d'Abidjan, ici, c'est difficile de circuler. Voilà. Moi, ce que j'ai à dire, je pense que si on peut faire au moins des ouvertures de voies secondaires, c'est-à-dire en plus de ces grandes voies, mais des voies secondaires, ça va réduire un temps soit peu l'embouteillage au niveau d'Abidjan. La venue du cinquième pont est bien. On remercie le président Ouattara pour son idée. Voilà, en tout cas, c'est bon. Ça va améliorer la fluidité. Ça va nous faire des économies au niveau du carburant. Et puis le travail avance vite. Voilà, parce qu'actuellement, là, pour aller au plateau, c'est tellement compliqué. Voilà, avec le cinquième pont, ça sera plus facile. Comme au niveau, ceux qui vont à Djamé, Yopougon, on peut passer par là pour aller vite. Ça va nous faire plaisir, franchement. On attend ça avec l'impatience. On attend ça avec beaucoup, beaucoup. On est impatient même. C'est une architecturale hors du commun. Ça dessine le A d'Abidjan. C'est un aquaba en même temps, comme on le dit chez nous. Je suis impatient parce que ça redore le blason de la capitale.